Wesh, mes attardés de seconde zone. On se retrouve sur le cinquième épisode de Far Cry 5 là du coup. Donc je crois que normalement la dernière fois on était arrivé. Hein. Comment on voit ça? La progression. Ouais voilà. On était arrivé à la fin, mais du coup ils me disaient que j'étais censé, ils étaient censés me rechercher. Alors pour l'instant j'ai pas vu, mais peut-être. Alors ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être on va se diriger gentiment vers un truc comme ça, aller voir ça, faire peut-être ça, et puis si on se fait peut-être choper sur la route, on verra. Armes, parce que je m'étais dit que je voudrais quand même une arme qui puisse tirer assez vite. C'est quoi ça? Fusil à levier tactique. Ça c'est pas mal de mémoire. Non, on peut pas se la prendre celle-là. Ah, ah ça je l'ai. Ça peut être pas mal ça en vrai. Pourquoi pas? C'est meilleur qu'à vous. Pas très bien comme ça. On va y aller sur un petit paille comme as. Pam 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 pam. Munitions max. Aujourd'hui dans la tourmente. Il reste pas mal. Dernière chance de dire oui, officier. Oh, ça tire pas mal, pas trop mal. Oh, c'est pas mal ça. On sent que ça va être sympa. L'expiation. On est obligé de le faire. On y arrivera. Ouais. On est tous dans le même bateau. On nous signale des juges dans la région. T'es en conflit frérot, on était en train de parler tranquillement tous les deux. On discutait comme des gens. Hein. Je démissionne, ok? Bon, on va écouter ça. Depuis que vous avez racheté cet endroit, rien ne va. Mais ça, vous mettez de la merde dans l'engrais. On l'a déjà écouté. Comment ça? Comment j'arrive pas à le toucher? Ah, c'est bon. Je suis juste nul à chier en fait. Hein. Au moins c'est clair. Hein. Il n'y a pas de. Quelqu'un! À l'aide! Ouais. Un mur invisible ici? Regardez. Je peux pas avancer. Un mur invisible ici. Je sais pas si c'est s'il y a censé avoir un truc ou quoi mais... Ok, on va aller voir lui là. On va passer par là. Les conditions de travail vont peut-être s'améliorer. Skylar par-ci, Skylar par-là. Tant qu'elle cherchera à ferrer son amiral ou je sais pas quoi, elle sera en danger. Quelqu'un devrait aller lui parler. Ok, mais c'est bien, on récolte pas mal de trucs. Comme ça, au moins. Ça devrait être pas mal. Oh, y a un convoi là. Ok, donc j'avais dit, on fait ça. C'est où? C'est là-bas.
John Seed vous a invité à Folzen pour expliquer vos péchés. Ouais, on va d'abord se capturer ça, je pense. Mais il, par ici, doit y avoir un avant-poste aussi, en vrai. Cela après, c'est là, on commence à taper dans la région de la meuf, là. Après, ça serait peut-être bien de se sécuriser un truc dans la région de la meuf, aussi. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est quoi le bordel? Il me voit presque pas. Hein. C'est pas mal en vrai. Hein. Oh, c'est bien. Désolé hein, pour mon AIM des fois, j'avoue que... Et pourquoi j'ai pas de compagnon, non? Parce que faut que j'en choisisse un. Ah ouais. On en apprendrait, non hein. On va tester, voir ce qu'il y a d'autre. Yo Grace. Wesh, tu galopes hein. T'inquiète. Sois pas. Hop. Voilà. Ok, bien compris. Je vous suis. Ouais, suis-moi. Et dépêche-toi. T'es où? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que, si vous avez fait le jeu, ou si vous comptez le faire, ou si même si vous avez fait aussi l'extension là, New Dawn, on m'a dit qu'elle était à chier. Dire si vous en avez pensé de même ou pas, genre, que je la fasse ou pas en fonction. Tout le monde me dit que c'est éclaté, je la referai pas du coup. On sera directement au 6. J'ai regardé tout le comté s'est trippé, j'ai bien profité du spectacle, j'ai laissé quelques surprises en haut de ma grange et son. À quiconque sera assez courageux pour traverser ma maison hantée. La maison hantée des O'Hara. Officier, t'as franchi la NBN River maintenant. Te fie plus à rien de ce que tu vois et surtout crois pas un traître mot sorti de la bouche de Face. Et aussi, évite les fleurs blanches. Elles ont l'air de rien, mais elles te pourrissent la tête. Si tu me crois pas, attends juste de croiser un de ces putains de junkies. Des anges, comme dit la secte. Sauf que, ils hésiteront pas une seconde à te mettre en pièce. Comment je suis censé monter, en fait, là? Déjà, comment je suis censé rentrer dedans? J'aurais dit ça, mais même pas. Du coup, ça veut dire que je pense il faut que j'aille... chercher des clés ou des conneries comme ça par ici. Bon, bon. Ok. Ça va, Grace? Change de place. Quoi, ces conneries? Merci.
tomber des zombies. Ok. Ok. C'est quoi ça? Y'a un gars dedans? C'est tout. Parce qu'en fait, vu qu'on a ramassé une baie des zombies, moi je pensais qu'on allait s'affronter avec avec des zombards un peu. Respire, frérot, tout va bien. Ça va te faire du mal. Voilà, ça fait du bruit, ça nous fait chier. Voilà. Merde. Comment je fais? Ouais, comme ça. Ouh, c'est glauque ça. Quand on a peur de Dieu, il faut avoir peur du diable, il faut en avoir peur. On sort un ou une jeune, mais on lui prend son corps et son esprit. On utilise son cadavre vidé pour trouver d'autres jeunes dont on peut encore voler les corps. Non, 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 non. On a envie qu'on vous sorte l'esprit du corps parce qu'une fois qu'il en a fini avec votre corps, on n'en veut plus. Putain. C'est spécial. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu me cherches des noises? Okay. Ok. On va laisser faire ça, comme ça on sécurise ça. Là je vais essayer. Nice, c'est chier. Il y a de la drogue ici. Ça j'étais full. Ça, peut-être que pour se faire un peu de thune, tu vois. Merde. Merde. Voilà. C'est leur drogue en fait. C'est ça la plante. Non. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va faire des trouve garde, pas vrai?
Est-ce que j'irai pas juste voir là où ce qu'il y a? Machin là. On va régler ce problème ou quoi? Je trouve un meilleur angle. Comment? Peur de fou! Je change de position! Hey, si tu me files un coup de main, je te remettrai ça. Ils allaient me buter. Merci. T'inquiète, bro. T'as entendu parler de ce drogué retranché dans le vieux saloon? Il paraît qu'ils vendent un mélange qui rend plus rapide et plus fort. J'aime pas trop les aiguilles, mais là, je serais pas contre un petit coup de pouce. Ok. Bonne chance. Il y a lui là que j'ai eu, non? Voir la meuf. Je vais faire un bon petit repérage là. Ouais, je suis discret, hein, personne ne m'a remarqué là. On va de vrai. Ok. Ouais, c'est bon, non? Comment il me repère? Wesh ta gueule, tu sais pas tirer ou quoi? Oh la discrétion quand même. Ouais en fait ouais la Grace je vais pas la prendre en fait. Je vais prendre le chien boomer. Hein. Parce qu'elle est inutile gros, elle a loupé son shot cette débile. Bon ça c'est cool. On a notre premier avant-poste de libérer ici. On vend ça, comme ça on part à neuf. Voilà. Et voilà. On va aller voir dans les talents. Attendez. Un lieutenant vaincu. Ah ouais, il faut que je... bah du coup, faut que je gagne... faut que j'aille faire John, du coup. Directement. C'est neuf, ça va me coûter.
Pam 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 pam. Bon, bon, on va attendre du coup. Par contre, on va prendre celui-là. Voilà. On se voit plus tard. Seuls ceux qui ont la foi verront la voie qui mène à l'Éden. Rejoignez sa prêtresse à cet hôtel pour entendre la parole de Joseph. Ensemble, nous retournerons au jardin. Okay. Qui parle ? Et elle parle dans ma tête ? Je n'ai plus besoin de chercher. Arrêtez de parler dans ma tête, madame, s'il vous plaît. Il me faut un chauffeur. C'est ma tête. C'est du viol. Lorna, ma puce, si t'as encore un peu d'argent de la loterie, prends-le et tire-toi. Quelque chose a excité les cinglés et plus rien ne les arrête. Faut que tu files. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. C'est quoi ce truc de bénédiction là qu'on a reçu ? Beau travail avec ces illuminés. T'as un peu de temps pour un boulot ? Vas-y, ces dis-moi. Ces fumiers de la secte ont volé notre essence. Ils ont vidé les réservoirs pour remplir leurs camions citernes. Il faut que tu leur envoies un et que tu le ramènes ici. On m'a dit qu'il y en avait un garé au vieux resto plus loin sur la route. Si on veut reconstruire, on doit rouvrir ces pompes. On s'occupe du relais routier et toi, tu nous rapportes notre essence. Ok. Ce sera fait. Dégager par contre. Oh, je peux faire mes propres niveaux. On savait que la secte avait une plantation géante de fleurs de grâce dans le coin. Et je viens de la trouver, bien à l'abri dans l'ancien camp de vacances. On doit reprendre le contrôle de cet endroit. Allez, nouvel avant-poste. Hop. Et puis, je crois que c'est pas mal, on va juste aller voir là-dedans. Ça, non, ça ne fait pas. C'est bon. Je suis plein. Ok. Ça c'est bon. Ça, on n'a pas d'arc. Toi aussi, t'as des hallucinations. Toi aussi, t'as des hallucinations. Ouais, je sais pas. Ta gueule. Dommage. Au moins j'en aurais une. On va chercher la deuxième après on se téléporte jusqu'à l'endroit. Voilà. Oula. Oula. Allez, ça c'est à nous. Maintenant, on se téléporte. Attends. L'expiation, c'est ça, non ? On se téléporte vers ici. Et on va aller se faire ça. On va aller rencontrer John pour expier nos péchés. Bon, essayer de le laver au passage. On va aller voir ça. Le soleil tape aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi ? Ellie connaît une scientifique qui se penche sur la question des juges. On n'a pas eu de nouvelles depuis un moment. On devrait peut-être vérifier que tout va bien pour elle. Oh, c'est bon, ça. Le jeu a l'air bien complet là-dessus par contre, tu vois, ça c'est un plaisir. C'est qu'autant la maniabilité à l'avion, bon, et en plus je vais pas mentir, comment dire. Alors si, il y a plusieurs problèmes, il y a la maniabilité à l'avion, déjà. Maniabilité de véhicule tout simplement. Je prends pas assez la voiture pour m'en rendre compte, mais...
Dommage. Mais ouais, il y a aussi un peu l'anti-aliasing, le clipping et tout. Après, le jeu date de 2018 aussi, c'est pour ça qu'il faut être indulgent. Mais sinon, ouais, en gros, le jeu dans sa globalité est très bon. Et l'autre, il est mort, du coup, ça veut dire, non? Je le vois plus. Il est pas mort, fait quoi? Non. Ça va pas l'air. Ça. Désolé, mon beau. Voilà, sans douleur. Ah. Ah ouais, c'est costaud hein mec hein. Là, boomer, reste là. Ça pouvait pas me donner plus que ça, ok. Je vais en avoir une. Ok. Des gens pour les emmener à l'ancien poste des Rangers. D'après ce qu'on m'a dit, ils les attachent et les utilisent comme cible pour leurs entraînements. Vous devez les en empêcher. Putain. Horrible. Ok. Ah, ça me fait penser qu'on n'a toujours pas pêché. Définitivement. Ça, ça se tue ou pas? Attends ma belle, je suis désolé. Là. Désolé. 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 Non. Ça se récolte pas. Oh si, mais je suis déjà plein. J'ai tué pour rien. Oh petite mère. Donc on a 102, 104, 1, 2, 4. Okay. Retrouver John Seed. Allez, c'est parti. On va lui baiser sa mère. Oh, nice. Bouge pas. On doit pouvoir lire colère, Pam. Colle. Un péché doit être visible pour être... Oh ça va, j'ai mis pas un tatouage, c'est pas... Nous cachons nos péchés. Nous nous cachons. Tu ne te cacheras plus longtemps. Ton être véritable va se répandre sur le sol à la vue de tous. Si Mahomet ne vient pas à la montagne, apporte la montagne à Mahomet. Commençons! J'ai pensé qu'un visage familier pourrait t'aider à expier. Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Espèce d'enfoiré.
On va réessayer. Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Veux-tu, Nick Rai, poser la main sur la parole de Joseph? Veux-tu, Nick Rai, va te faire foutre. Non, j'obéirai jamais à ce psychopathe. Admirez donc l'avarice. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Nick. Oui. Oui, je veux expier. Officier, veux-tu poser la main sur la parole de Joseph? Officier, veux-tu poser la main sur la parole de Joseph? Pour admettre tes péchés et pour y renoncer. Pour admettre tes péchés et pour y renoncer. On a un choix ou pas? Dis oui. Ce n'est qu'un mot. Je laisse faire ou pas? J'ai dit oui. On s'en bat les couilles, on va le tuer. Tire, dommage. Allez, tire. Emmenez John Orange, vite. Bien joué. Vas-y, on va le baiser. Installez-vous. Asma le nom. C'est parti. Il est prêt, Marie. T'inquiète pas. Ah non, c'est à nous. Ce n'est pas à nous, ça. Merde. Tiens, je t'amuse. Mon appareil est en dommage.
hein. J'étais en train de défoncer l'avion dans lequel j'allais monter. Je suis un mongol. Faut que je monte ici. Okay. Là c'est pas grave. Ça c'est, là c'est ma faute en fait. Je suis allé un peu trop vite. Puis on m'a appelé, ça m'a déconcentré. Ça. Je sens que ça va être chiant. Je sens que ça va me casser les couilles. Thank you.
C'est John? Oh oui. Oh oui, fils de pute. Alors? Et si Joseph a raison? Est-ce que tu t'es posé deux secondes pour réfléchir à ça? Tout le monde pense qu'il est dément, mais c'est faux. Regarde autour de toi. Notre monde est foutu. Tu le sens. Tu le sais pourtant. Regarde les infos. Regarde qui nous dirige. Tu veux cette clé? Parce que tu penses sauver des gens, mais il risque plus rien. Tout est dans le plan. Tu ne comprends pas. Tu ne crois pas. Tu t'en fous! Que Dieu ait pitié de ton âme. Et toi, que le diable t'accueille les bras ouverts. Ah oh putain, on peut pas souiller son cadavre, ça c'est plus. Officier, je ne sais pas quoi dire. John Seed a terrorisé la vallée tellement longtemps. Je n'aurais jamais cru le voir mourir. Mais c'est encore un peu tôt pour se réjouir. Hudson et les autres sont toujours coincés dans son bunker. Il faut les sauver. Je vais former une équipe pour te rejoindre, mais tu dois y aller tout de suite. Eden's Gate va leur faire subir un enfer. Ok. Je rejoins les bunkers. Est-ce que là, du coup, maintenant qu'on a. Ah. C'est quoi? Mettre les explosions. On va prendre ça. Salut, mon boom. Allez, mon grand. Quoi ça? Pendant quelques temps, nos drapeaux bénis ont couvert l'ensemble de ces terres. Nous avons apporté la vérité et la justice à cette partie du monde. Nous avons mis fin aux mensonges, à la tyrannie, nos oppresseurs ignorants. Cette coalition d'âmes infidèles qui nous méprise ne s'arrêtera pas là. Les mécréants viendront et à l'approche de l'effondrement, ils massacreront les innocents qui sont dans nos rangs pour nous empêcher d'agir. Soyez notre bouclier. Faites tout ce que vous pourrez pour nous protéger d'eux. Ok. Ok, il est parti. Ah. Bon. Je l'aurai pas là. Calme-toi. Le tout petit.
Petit ours brun. Pareil aussi, il faudrait que j'améliore. Je vois que si je peux améliorer un truc pour améliorer la vitesse de mon sprint et puis voir si on peut avoir une petite map quand même. Parce que normalement, sur les Far Cry, il y en a une petite map. Non, normalement. Même sur Prima, je crois qu'on en a une. Ce con. Tant pis. Bon, lève-toi mon beau. Voilà. Accès au bunker ouvert. Verrouillage pas le champ avec nous cette fois. On doit combattre la colère avec l'amour du père. Une fois ces portes fermées, elle se trouve au delà. On doit combattre la colère avec l'amour du père. Il faut regarder un petit truc comme ça, tu as la place. On fait là le bruit, mais là c'est assumé du coup. Oui, l'officier Hudson. Libérer nos frères et sœurs.
Pas de munitions. Ah. Bah faut que je fasse un truc. Merde, c'est toi. Mon Dieu. Mon Dieu. Je pensais pas que tu reviendrais. Il s'est passé quelque chose. Tous ces illuminés se sont mis à s'agiter. Toutes les portes se sont fermées et on était enfermés. J'ai bien cru que j'allais finir par crever là. Tout ça, c'est de sa faute. Lui, cet enfoiré, salaud de psychopathe. Il descendait ici et il restait là, sans bouger, et il regardait. On implorait sa pitié et il faisait rien, putain. Il regardait. Les autres. Ok. Il y avait d'autres gens coincés ici avec moi. Faut qu'on les sorte de là. Et puis on réduira ce putain de bunker en cendres. Aide-moi. Ou dégage de mon chemin. T'as pas une ville à libérer, toi ? Allez, à la virée, ma soeur. C'est la seule façon d'ouvrir les salles pour libérer les autres. Je te suis. Plus intelligent à faire. On peut pas les laisser partir, ils vont mourir. Je bouge. La cible est forte. J'ai pas de visuel. Détruire les consoles, c'est le seul moyen de libérer les derniers prisonniers. Comment ça?
opérateur de secours en ligne. Ouais. Là-haut. Voilà, commence à grimper. Ces trucs ont plus servi depuis des années. Alors si jamais ça se bloque, tire sur les charnières. Okay. Et merde, impossible de tout ouvrir à la fois. Oh, je vais devoir le faire section par section. Ça, tu l'as donné maintenant. État du système. Pas une mauvaise idée, ça. Continue à grimper. Une fois près du sommet, tu verras une pièce où la secte conserve de l'essence et de la grâce. Urgence. Ok. Je pense qu'il y a des paroles du coup maintenant. Attention. Directement. C'est un laborieux mon dirait. J'ai vu un truc pareil. On a vraiment bien fait de te sauver. Hey. Vous nous avez rendu ce qu'on pensait jamais revoir un jour. L'espoir.
Quoi qu'il arrive maintenant, on vous suit. Hé. Hey. C'était du sacré boulot, vraiment. Pour moi, après ça, c'est toi qui donnes les ordres. Si jamais t'as besoin de quelque chose, t'as qu'à me demander. Un seau a été ouvert. Mon frère John était peu aimé. Craint par beaucoup. Il était incompris de tous. Hormis de moi. John n'a pas toujours été ainsi. Ce n'était qu'un enfant quand notre famille s'est déchirée. Il était tendre, doux, plein de joie. Mais c'était une proie facile. John n'était pas parfait. Il lui arrivait de commettre des erreurs. Mais c'était mon frère. Et ceux qui sont responsables de sa mort seront tous punis. Ça, je vous le promets. Intéressant. La puissance de feu de la secte, et ce sera irréversible. Cool. Ils vont se montrer beaucoup plus prudents après ça. C'est un sacré coup de pouce pour la résistance. Du très beau travail. Merci mille fois. Je pensais pouvoir aller à la marina et filer en bateau, mais je suis arrivé trop tard. La secte était déjà là. Je sais pas ce qui est arrivé à la proprio. J'espère qu'elle a rien. Ok. Une boutique. Alors on va vendre un peu. Voilà. Et alors maintenant, donc, on va regarder. Est-ce que dans les spéciales, non, on a toujours pas débloqué ça. Gagner 5 niveaux de résistance. Toute région confondue. Ok. Là, ouais, l'idéal, ça serait un truc comme As, tu vois. Dis-moi, je t'en préviens ça, hein. Pam 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 pam. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pas par contre, est-ce qu'on se prendrait pas un arc par contre, tu vois. Là. Celle-là. On va attendre un peu. Vas-y, ça va être très bien comme ça. Juste munitions. Voilà. Alors, on se fasse un point, un topo. Donc on a quand même quelques missions par ici.
qu'il n'y a pas d'avant-poste, en tout cas on les a. Enfin, pour moi, il ne doit pas y avoir d'avant-poste par ici, je pense pas. Je pense que ce qu'on va aller faire, on va aller se foutre là et commencer à se faire les petit à petit les trucs, les missions, ça. Peut-être ça. Ça et puis hein, petit à petit. Allez, c'est parti comme ça. On commence à aller dans la zone de la meuf là. Elle là. En vrai, elle est mignonne en plus, elle est jolie. Hein. Comme toi, faut pas se les avoir. Ce vieil hôtel thermal ferait une base d'opération idéale. Il est facile à défendre, la vue est dégagée, c'est parfait comme poste d'observation. Par contre, il est aussi hanté qu'un cimetière. D'accord. Un nouvel avant-poste, c'est bien ça. Ok. Ok. On peut monter là-dessus. Hein. Y'a rien. J'avais déjà tout découvert ici. Attends, on va trouver les camions citernes pour approvisionner la station service. Attends, on va se faire ça directement en premier lieu. Comme ça, on libère cette zone-là. On récupère des missions aussi parce qu'on va forcément récupérer des missions normalement dans les avant-postes. Puis on va pas être trop mal, hein. Si, juste que je regarde le nombre de points de talent que j'ai. Ok. Il va falloir que je prenne ça. C'était quoi le truc pour les munitions Ça aussi, il faut que je prenne. Maîtrise du fusil. Ah ouais, ça aussi, ça peut être sympa ça. On a pas mal de trucs à prendre quand même. Là. C'est Kim Rai. Moi, tous ces trucs-là, moi je fais les gars, parce que. Quand vous aurez l'occasion, vous pourriez passer à la maison, s'il vous plaît. C'est pas urgent ni rien, hein. Pour le moment. Mon voisin m'a dit que la secte essayait de créer une drogue plus puissante dans la vieille serre. Déjà que cette saloperie change les gens en monstres, je veux pas imaginer ce que ça pourrait donner. Ok. Bah, c'est un holographique en fait. Hein. Comment ça je le tue pas? Oh là la merde, j'aurais dû me prendre un. Mon petit sniper là qui est pas mal. Ah!
quand même vite fait en haut là. J'ai un peu l'impression que c'est une petite tyrolienne là ce qu'on voit. Alors qu'en fait c'était pas mon truc. Hein. Merde. Attention. Moi je suis une merde. Vas-y, j'abandonne. Je le ferai plus tard. En fait ouais, faut pas que je prenne un. Ah merde, faut que je prenne mon snipe, c'est très bien. Alors, du coup j'en ai pas débloqué un autre. Ouais, si, par ici. On va peut-être aller par ici, hein, du coup. On va voir si on peut pas sauter d'une montagne. J'ai pas le choix, c'est que de la flèche explosive maintenant. D'ici on veut bien pouvoir sauter, non? Ta gueule. Voilà. Voilà, on saute après d'ici. Donne-moi des infos, toi. Ah ouais, je suis pas là. Ma cousine dit qu'elle a entendu des fanatiques parler du Dead Man's Mill. Ils pensent que les cougars ont planqué du matériel derrière la chute d'eau. C'est où? Ok.
Salut cousin, c'est moi, Hercule. Bon, écoute, il se trouve que j'avais tout faux. Sérieux, il te laisse rien pour faire chier Dunsgate. Donc bon, j'ai un nouveau plan. Oula. Il faut qu'on se voit bientôt. Demain, je peux pas, j'ai rendez-vous chez le Toubib. Il faut regarder un truc que j'ai dans le dos. Et puis après-demain, je vois ma daronne. Et après, j'ai un match de softball. Mais je serai libre de jeudi à lundi. Bon, dans tous les cas, tu me rappelles, faut qu'on en discute. Oula. T'es Zikassos, ça. Oh. C'est pour moi, ça. Ça va, pas mal, hein. Ça tue bien, cette merde. Comment ça? Ça va être libéré. Merci, merci, merci. J'ai bien cru que c'était fini. Merci. Les tarés de la secte capturent les gens qui se révoltent et ils les noient dans la grâce, jusqu'à ce qu'ils se transforment en anges. Ça ne rapporte pas plus d'infos que ça, entre guillemets, c'est juste de l'info comme as. Ça va toujours pas. On ne pourrait pas prendre de la hauteur pour se faire un petit wingsuit là. On va aller voir lui en vrai. Vu qu'on en est là, non? Allez, cramez, cramez, cramez. Il a l'air d'être un bon sanglier lui aussi. Je peux lui parler encore en ce moment. Prendre le petit pétoir, voir aussi ce qu'il vaut sur les animaux. Par exemple sur ces merdes là. Là. Oh dommage. Wesh, j'ai tous les animaux de la savane qui m'a...
Les mecs. Mon cousin a vu des cinglés emmener du monde dans leur couvent. Il continue à forcer les gens à intégrer leur secte en leur disant que c'est pour leur bien. Quelle bande de malades. Ok. C'est où ça? Le dieu. Non, c'est là. Ok. Mais du coup, on va quand même faire ça avant. Oula. Est-ce qu'on peut s'en tenter une là? Ouais, j'ai cru que ça allait mal se passer. La gueule! Quoi cette merde? Tu veux tâter de mon gourdin? Oh mon dieu, le beau futur. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serais une menteuse. Une manipulatrice. J'empoisonnerais les esprits. Mais... je vais te raconter une autre histoire. La vraie, cette fois. Il était une fois une jeune fille. Mise à l'écart par sa propre communauté. Harcelée par ses amis. Maltraitée par sa famille. La drogue devint son seul refuge. Elle était seule au monde. Elle voulait mourir. Puis elle rencontra le père. Elle reprit espoir et confiance. Le père lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. La jeune fille retrouva le goût de la vie. Elle avait trouvé... un but. Un jour, le père l'emmena ici. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. Il lui demanda si elle voulait mourir pour lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix prit peur. Le père lui dit que c'était une épreuve. Il aurait foi en elle si elle avait foi en lui. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. Accepte la foi. Putain, magnifique cette séquence là. Magnifique cette musique d'ailleurs.
Oh, j'ai pris une bonne défonce. Hein. Putain, je suis bien éclaté, hein. Putain. Plein la gueule. Hein. J'ai la gueule en vrac. Hein. Tu te sens différent. Tu te sens vivant. Le premier pas est le plus stressant. Mais on a tous confiance en toi. Suis le pèlerinage. Suis la voie. On se verra bientôt. Ok. Merde, on a reculé. Ah non. On va se faire ça. On prendra ça, ça, ça. Oh putain, ça va être une vidéo longue, mais full avant-poste. Wesh, le saigne. J'aimerais bien qu'on puisse croiser un mec sur la route. Quoi? Comment ça, il l'a tué? Fils de pute. Jamais encore fait ça. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé en détail ce que c'était le truc avec la tête des morts. On fera bien un jour. J'avoue que là, à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était comme ça, des moments où de toute façon c'est trop tard. Voilà. Tout va bien. Je sais pas d'où ils viennent, ces anges. Mais ma belle-sœur pense que c'est dans le magasin de Nolan qu'ils sont créés. Elle dit avoir vu des gens normaux y entrer et des anges en ressortir. Ok, encore un. C'est bon, ça. Je fais beaucoup de balles là-dedans, non? Bref. On va pouvoir tuer un animal. Alors, que faire de cette peur?
Ça ne me dérangerait pas de venir finir ma vie ici. Ok. Encore bon. Voilà. Oh, on est bon, non? Oui. Discrétion, c'est bon ça. Pam 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 pam. En vrai, je pense que par contre, on va s'arrêter là parce que sinon, ça, la vidéo elle va être trop longue. Et par contre, je pense que je ressortirai une vidéo dans la journée et que. On continuera à se faire ça, et on sera tous les avant-postes de la zone. Et après, on se fera l'émission. Mais moi, j'aime bien dans les Far Cry. Vous le verrez sur le 6 et tout, et puis même sur ceux qui sortiront après. J'aime bien moi faire d'abord tous les avant-postes, peut-être même certaines quêtes secondaires, genre par exemple les trucs comme ça, là aussi, même pour avoir un peu plus de thunes et quelques conneries comme ça. Comme ça, je suis un peu plus à l'aise dans le jeu. Là, par contre, juste, je vois, on va aller voir ça. Du coup, je pense que. C'est quoi? Non, j'avais déjà vu, ça c'était. Marché noir. La santé, les plantes et les animaux, ça peut être pas mal ça en vrai. Ça peut être un peu snowball en termes de thunes. C'est pas mal aussi ça, mais. C'était quoi? Maîtrise du fusil. Oh, j'hésite un peu là, j'avoue que je suis un peu tiraillé. Tant que j'ai pas débloqué le dernier arc, on va juste regarder tout ça. Ça leur fait un endroit de moins pour fabriquer leur saloperie de tasse. Merci en tout cas. De rien. Il y a rien, donc du coup ça. Dieu a envoyé ses campeurs chrétiens au camp de vacances pour en sanctifier le sol. Les enfants qui sont venus ici ont dormi ici et ont chanté des cantiques pendant toutes ces années, ont renforcé le sol. Oui, d'accord, ok. J'ai mal lu. Je parierai mon âme là-dessus. Notre destin a toujours été de semer ici nos cultures. Ne l'oubliez pas. Gardez cette terre comme les fondations d'Eden. Qui est-ce que tu viens me dire, la veine? Dis-moi tout. Les tarés sont des putains de narcotrafiquants. Ils font pousser leurs plantes pour produire de la grâce. Et pour l'étape finale, ça se passe dans l'ancienne brasserie. Si on détruit cet endroit, ce sera un coup. Encore un avant-poste. Une brasserie en plus, pas mal. D'avoir besoin d'aide là. J'aurais vraiment besoin d'aide. Dis-moi. Merci d'avoir nettoyé le camp. Évidemment, on a un autre problème. On a croisé une saloperie de cougar de l'autre côté de la rivière. C'est pas une bête comme les autres. Ce serait une des expériences ratées de la secte. Elle tue tout ce qui s'approche. Ils l'ont gavée avec leur drogue. Et du coup, t'hallucines rien qu'en passant à côté d'elle. J'ai envoyé des gens pour l'abattre, mais ils sont pas revenus. Ils sont sûrement morts. J'aimerais que tu finisses le boulot. Mais je te préviens. C'est une bête super dangereuse et très imprévisible. Ok.
C'est bon, on récupère pas mal de choses. Là. Non, on a déjà bon, Il y a bon. Seuls ceux qui ont la foi vivront là. En général, ça prêterait, ouais. Ok. C'est un nouveau sanctuaire aussi. On les voit pas les sanctuaires sur la map, hein. C'est pareil, je crois que j'avais débloqué un sanctuaire aussi. Mais on le voit pas. Ouais, bizarre. Ouais, juste que je change mon arme là, parce que l'arc il est pas terrible. Elle sent. Il me faut de la vraie arme. Ouf. On peut avoir. Alors attendez, je vais là. Ah bon, soyons pas cons. Ouais, c'est celle-là. C'est pas très jolie comme ça. Ouais, moi je la préfère en classe. Ah par contre, attends. 9, 8, 8, 5, 4. Ouais. Merde, quel abruti. Je suis inconfiné. Voilà. On va plus jouer comme ça. Hop. Et on a quoi d'autre? En vrai, est-ce qu'on a besoin vraiment de deux armes ou quoi? Ou est-ce que je me prends pas mon snipe que j'avais pris là? C'est lequel? C'est celui aussi que j'ai? Carabine. Bon, lui, il est monstrueux. Lui. Est-ce que je le prendrais pas à la place de ça? Max Lune. Merci d'avoir. Alors normalement voilà. En 1, j'ai ça qui est pas mal. En 2, j'ai ça. En 3, j'ai mon petit AK. Et en 4, j'ai mon pistolet. Voilà, on est pas mal maintenant, comme ça. Juste est-ce que je, du coup vu que j'utilise pas mal ce petit pistolet, attends. Déjà voir s'il n'y a pas un autre pistolet qui pourrait être plus intéressant que celui-là. Le mien il est à combien? 7 5 5 4 8. 7 5 5 4 8. 7 5 5 4 8. Bah, ils sont tous à chier frérot. Tu vas me dire que mon pistolet là c'est le meilleur. Attends, je vais en acheter un quand même au cas où pour voir un comme as par exemple. Ah non, bah non, je suis trop con, j'ai pas d'argent, je suis chier. Genre par exemple, ça, on va faire un test. Ça fait moins de dégâts dans le corps, ouais, du coup. Sur l'autre, il était à 7, 5, 5, 4, 8. Et lui, du coup, ouais, ça voudrait dire qu'il serait, du coup, ouais, à 7, 4, 5, 5. Mais du coup, ouais, il a une meilleure cadence de tir. Ouais, pourquoi pas, hein. Un meilleur maniement. Comme ça aussi. Ok, 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 bon bah les gars. Ah ouais par contre
Non, 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 non. Rends-moi le mien. Parce que tant qu'il n'y a pas de viseur, rends-moi le mien. Voilà. Merci. Bon, les gars. On se dit bah, tout à l'heure pour la suite, hein, on va continuer à se faire les avant-postes et à poursuivre l'histoire. Allez, ciao les vénos.